Bonjour Jean-François. Hey Sylvie, comment ça va? Ça va bien. Wow. Bienvenue à Saint-François d'Assise. Eh hey, oui. Tu sais, Saint-François d'Assise, c'est une paroisse de notre conseil ici même à Kingston. Oui. Et oui. Ce sont nos écoles, Marie-Rivier, Monseigneur Rémi Gaulin. Oui. Ah, Rémi Gaulin, c'était le deuxième évêque de Kingston. Bon, ben voilà. Oui. Et on est ici hein, pour célébrer ensemble. Hein, une liturgie de la parole. Excellent. Juste avant Noël. Mais il y a un lien, je pense, hein, Saint-François d'Assise. Avec Saint-François d'Assise, c'est la nativité. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est Saint-François qui a eu l'idée de faire les premières crèches. Il voulait tellement qu'on saisisse le grand mystère de ce Dieu qui est devenu l'un d'entre nous en Jésus. Dieu qui a pris notre humanité comme un petit bébé fragile, incroyable, hein? Saint-François. Saint-François d'Assise, dans toute sa simplicité. C'est ça. Et qu'on va retrouver ici à la paroisse Saint-François d'Assise. Une belle simplicité, mais un accueil chaleureux comme on a reçu à Kingston hein, jusqu'à maintenant. Formidable. Et puis, on est accompagné hein, de la chorale de Franco-Cité. Oui. On donne un avant-goût, hein, Jean-François. C'est ça. Et le chant qu'ils vont chanter, c'est lequel? On va entendre le Saint-Berger pour entrer. Et ce sont les mêmes chants qu'on aura pour la célébration de la parole oui. Hein, pour nos élèves. Un Saint-Berger un peu différent, je pense. Un Saint-Berger hein? qui va nous faire peut-être bouger un peu plus. Excellent, plein de soleil, je pense. Donc, on va donner la chance, hein, puis cette grâce-là aux gens de l'entendre possiblement deux fois, mais je pense que ça vaut la peine d'écouter nos jeunes hein, qui nous mettent justement dans cet esprit-là de pouvoir célébrer le mystère de Dieu qui se fait tout près de nous. Écoute, je pense qu'on est prêt à entrer dans l'Église et avec Saint-François, ce frère universel hein, qu'on aime tant. Puis on va le célébrer ensemble, Sylvie. Oui. Excellent. On y va? Allons. OK. Je t'ouvre la porte. Ah, excellent. Merci. Nous voici rassemblés dans cette belle église de Saint-François d'Assise, au cœur de Kingston, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. D'abord, à vous tous, les gens de la table scolaire et de la table politique, qui finalement faites une seule table puisque vous n'avez qu'un seul désir, celui du bien-être de nos jeunes, de nos enfants qui nous sont confiés. Durant cette célébration, vous aurez un avant-goût de la grande célébration que nous avons préparée pour l'ensemble de tous nos élèves. Mais avant d'aller plus loin, faisons silence dans nos cœurs et laissons la place, la meilleure place au Seigneur en chacun de nous. Et faisons de nos cœurs la plus belle des crèches. Rassemblons nos cœurs en prière et prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui as tant aimé ce monde pour y faire ta demeure à jamais au milieu de nous, fais de nos cœurs la plus belle des crèches. Qu'à l'exemple de Marie et de Joseph, des bergers et des mages, nous puissions te reconnaître comme celui qui vient vers nous par amour. Viens, Seigneur,
toi le vivant pour les siècles des siècles. Avec les jeunes de l'école Franco-Cité, acclamons une page d'Évangile selon saint Luc. Seigneur, que ta parole, que je puisse la saisir avec mon intelligence, la proclamer avec conviction et surtout l'aimer avec tout mon cœur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de la Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes dans le temps de l'Avent. Et on sait que nous, le temps de l'Avent, ça dure à peu près quatre semaines, quatre dimanches de l'Avent. Mais le temps de l'Avent, la réalité que ce temps veut nous faire vivre, ben, c'est pour nos 52 semaines de toute l'année. Le temps de l'Avent, c'est pas seulement un temps pour se préparer à la fête de Noël, c'est beaucoup plus que ça. C'est un temps pour approfondir notre joyeuse espérance pour tous les jours de l'année. Parce que celui qui est venu il y a 2000 ans comme l'enfant de Noël, l'enfant de la promesse, parce que celui qui reviendra à la fin des temps pour tout récapituler dans son amour, lui le roi de l'univers, bien, il vient à tous les jours naître dans nos cœurs. Et en d'autres mots,
Dieu, en Jésus, nous rend visite à tout moment et nous avons à le laisser transparaître dans nos agirs, dans nos paroles. Parce qu'il a tant aimé ce monde, il en fait sa demeure pour toujours. Dieu est avec nous. Dieu est au-dedans de nous. Notre monde, Dieu, il l'aime. Mais notre monde est loin d'être parfait, bien sûr. Notre monde est en chantier. Et nous avons à relever nos manches pour le bâtir. Et Dieu veut le rêver avec nous. Il est en nous. Et ce Dieu, ce Christ, bien, il n'a pas construit un monde préfabriqué. Il veut le bâtir, le rêver avec nous. Le temps de l'Avent souligne l'avènement du Christ, sa venue à tous les jours. C'est un peu comme notre baptême, finalement. Moi, j'ai été baptisé un jour. Et le baptême, j'ai à le vivre à tous les jours de ma vie. J'ai à plonger dans ma vie à tous les jours, à découvrir la présence de Dieu. Et ce Dieu qui m'invite à transformer le monde. Le baptême, ce n'est pas seulement qu'un rite accompli une fois pour toutes. Le baptême, ce n'est pas un acte administratif pour être enfant de Dieu, de fait, enfant de Dieu. Nous le sommes avant même le baptême. Et le baptême, c'est une vie à tous les jours. Le baptême, c'est l'occasion de reconnaître que je suis un enfant de Dieu de toute éternité. Comme la fête de Noël, c'est à tous les jours que j'ai à faire naître le Seigneur dans nos cœurs. À vous, les gens de la table scolaire, de la table politique, bien, nous sommes invités tous ensemble à faire en sorte que nos enfants, nos élèves, nos jeunes puissent découvrir ce Dieu qui vient naître en eux. Et ils ont besoin de voir des témoins comme chacun de nous. Nous pouvons l'être avec le meilleur de nous-mêmes. Belle montée vers Noël. En Jésus, Dieu le Père se fait proche de nous. Prions-le pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Et après chacune des intentions de prière, nous répondrons, « Viens, Emmanuel, viens parmi nous. » En ce temps de joyeuse espérance que tous les baptisés redécouvrent sans cesse dans la joie de leur baptême, prions le Seigneur. « Viens, Emmanuel, viens parmi nous. » En ce temps de joyeuse espérance, que l'Évangile sache trouver dans tous les cœurs une terre d'accueil, prions le Seigneur. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. En ce temps de joyeuse espérance, que tous les hommes et toutes les femmes sachent relever leurs manches pour qu'advienne ce monde nouveau que Dieu rêve avec nous, prions le Seigneur. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. En ce temps de joyeuse espérance, que les écoles catholiques puissent toujours être un lieu d'accueil pour tous ceux et celles qui désirent marcher avec le Christ, prions le Seigneur. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. En ce temps de joyeuse espérance, que les responsables de l'éducation catholique puissent entrer dans un processus d'évangélisation pour mieux faire connaître et aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. En ce temps de joyeuse espérance, puissions-nous être ces femmes et ces hommes qui osent des chemins nouveaux afin de révéler le visage d'un Dieu ouvert à tous. Prions le Seigneur. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Dieu notre Père, que nos cœurs s'éveillent toujours davantage à ton esprit, afin que s'établisse le monde nouveau, inauguré par Jésus le Christ, lui le vivant, pour les siècles des siècles. En union avec tous les élèves et le personnel qui prie chaque jour dans les écoles
et avec tous les chrétiens et les chrétiennes du monde entier, prions ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Avec Marie, qui marche avec nous en ces jours, rappelons que la Mère du Christ, dans le silence et la paix, a porté et mis au monde celui qui porte tout. Marie, sois notre guide sur le chemin de Noël, afin qu'en fêtant la naissance de ton Fils, Jésus notre Sauveur, nos cœurs soient transportés de joie et d'espérance. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu plein d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et l'espérance du Christ. Au commencement tu vis que c'était bon. Je vous fais donc cette belle création. Pour nous voilà tout un bel héritage. De s'en occuper peu importe son âge. Des co-créateurs, faire pousser des fleurs, embellir nos cœurs. À tous les jours, à tous les jours, un peu d'amour, à tous les jours, à tous les jours, un peu d'amour. Jésus est venu pour nous sur la terre, pour nous guider, pour s'approcher du Père. Avec l'Esprit qui habite en mes frères, voici notre Dieu qui...